y a plein de petits trucs. Maintenant, on va aller regarder là-bas au studio 17. En fait, il y a des jeux de société, des play, des baby-foot, tout ça, histoire de se balader un peu. Je pense qu'après, on va aller faire un petit sauna. Et puis après, les copains, ils vont arriver. J'ai peur qu'il fasse pas très beau quand ils arrivent. J'espère que ça ira. Regardez. A little bit of rain will get the flowers growing. Springtime, you make me want to smile. Springtime, you got the sun shining. A little bit of rain will get the flowers growing. Springtime, you make me want to smile. Keep it going all summer long. On disait là, c'est que ça nous fait rire parce qu'en fait, quand tu arrives dans un endroit, étant donné que tout le monde, de base, la langue universelle, c'est l'anglais, donc on commence à parler anglais, donc tu réponds en anglais, et après du coup, ah bah tiens, j'ai pas entendu, donc tu répètes, mais en français, donc tu fais la traduction, donc je fais la traduction à Monique qui n'avait pas entendu, et en fait, il savait qu'il parlait français, du coup, je vois, ah mais, vous parlez français? Bah oui, en fait. Allez, du coup, on va aller voir avec les garçons. Joe, il est pas trop chaud du sauna, mais par contre, le bain glacé, il est chaud de tester. Donc, après, il y a le jacuzzi ici. Oui, c'est ça. J'ai dit, après, il y a la piscine, machin, vous testez. Et si vous voulez partir, vous pouvez partir. Mais on va aller se détendre, voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je suis trop bien là, je suis au max. Je suis détendue, non, mais j'ai pas chaud. Non, meilleure discussion. Ils sont encore debout? Oui. Le bain glacé, c'est vraiment une expérience de ouf. Mais par contre, c'est une XP que j'ai réussi à développer grâce à Moni. Parce que je pense que de moi-même, j'aurais eu un peu du mal. Il fallait justement qu'elle m'encourage et qu'elle me dise « Ok, c'est bon, là, t'y arrives, ok. » Sinon, j'aurais eu du mal moi-même, en fait, à le faire parce que ça me fait tellement mal aux pieds. Pourtant, je suis pas douillette, hein. Mais ça, vraiment, j'avais pas envie, quoi. Elle est bien, hein. Elle aussi, elle est bien, là. Mais ouais, à voir. Qu'est-ce que t'as ? Bah rien, c'est intéressant ce que tu disais. Enfin, ce que vous disiez. En vrai, essayez. Franchement, je pensais que j'allais détester ça. Je suis un mec, j'aime pas l'eau froide, genre, je déteste. Essayez parce qu'en vrai c'est surprenant quoi. C'est quand même, en vrai j'ai trouvé, je pourrais le refaire. Par contre je suis intrigué sur le fait de est-ce que ça a vraiment des bienfaits, tu vois, est-ce que ça. Sur le corps, je pense que niveau circulation, ça doit être trop bien, parce que tu ressens un peu un truc. Mais sur le côté mindset et tout, je suis pas sûr. En tout cas à 9 degrés, je suis pas sûr que ce soit assez fort, tu vois, pour. C'est pas non plus compliqué de rentrer, c'est pas compliqué. Bah, ça dépend des personnes alors. Toi, t'as peut-être besoin d'un truc plus fort pour que ça atteigne ton mindset. Mais moi, par exemple, c'est très mindset parce que j'arrive pas à tenir comme vous. Hein. Donc peut-être que toi, il te faut plus près pour qu'il y ait un impact mindset. Ouais, je sais pas, à voir s'il y a une vraie différence. Sur... Bah alors, au niveau du froid, je pense que chaque degré est rabassé, tu vois. Ouais, ouais, apparemment, ouais. Mais par contre, ouais, je sais pas si je suis pas apprécié. Superbe expérience. Ouais, en vrai, c'est cool par contre. Je pensais bien ça. Et c'est agréable, chaud-froid aussi. Hein. Franchement, je sais pas ce que ça apporte, mais je trouve ça agréable parce que du coup, c'est plus simple de rentrer. Parce que comme t'as hyper chaud. Sauna, j'ai trouvé ça chaud dans le. Enfin, ça fait plus mal quand tu rentres. Ah ouais, ok. Mais je sais pas si c'est lié ou. Bah, merci pour votre retour journalistique. Pour cette interview. Avec plaisir, l'équipe. On se retrouve sur les réseaux pour parler bien sûr de bain froid. Que serait une journée, un week-end détente sans un bain? Je ne sais pas, mais pour l'instant, je n'arrive pas à le faire parce que tous nos câbles de téléphone pour faire charger les téléphones nous ont lâchés. C'est bizarre que ça lâche d'un coup. C'est quoi déjà leur numéro de chambre? Le bain 41. Rien de mieux qu'un téléphone traditionnel.
Là, on a un problème, là. Je vais appeler la réception. Je suis perdue, là. Mais je sais pas comment on décroche. Je suis vraiment plus une boomer, en fait. Je suis de la génération Z. La dernière fois, j'avais juste tiré et c'était bon. Tu vas t'essayer d'appeler qui? Bah, la réception. Ah, ils t'ont rappelé pendant? Peut-être, je ne sais pas. J'essaie de les rappeler, instant. Bon, bah, allez, je vais préparer mon bain. Ça a assez duré. À la préparation, parce qu'avec toutes ces conneries, en fait, il y aura jamais de bain, quoi. Étant donné que je suis hypochondriaque, d'abord je passe un petit coup parce que je ne vais clairement pas mettre mes fesses là où quelqu'un a déjà mis ses fesses. Bon, après j'imagine qu'il nettoie, donc c'est vraiment parce que je suis hypochondriaque. Hop là! Regarde! Oh, what the fuck? Mais c'est dingue. Je suis choquée. On a limite trop fait, genre. Regarde ça! Regarde ma jambe! Ah, super bien. Et voilà. Il aurait fallu que je fasse une serviette chaude. Le seul truc, c'est que moi, j'arrive pas à rester longtemps là-dedans. Déjà là j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas pris de quoi un truc à regarder. Ah, oups. Je suis vraiment un cliché à moi-même. Vraiment les gars, je suis un cliché. Et vous savez quoi? J'adore. Allez hop. Donc là ce que je vais faire, c'est simplement programmer la vidéo. Parce que oui, ce soir il y a une vidéo. Et après je sais pas. Du coup je me suis préparée. Là ils sont allés boire un coup. Étant donné qu'avec Moni on a traîné un petit peu au spa, les garçons ils sont déjà au bar. Du coup je voulais juste vous montrer comment je m'étais habillée ce soir. Étant donné que c'est un gastro, il me semble, il faut qu'on soit un peu apprêté quand même. Les tongs sont à prohiber. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que normalement, ce soir, j'avais prévu, vous savez, la tenue justement avec le polo. Mais étant donné qu'hier, j'avais eu chaud, j'ai remis mon débardeur finalement, que j'ai accompagné de ma jupe, celle-ci. Donc mon débardeur, c'est un Naked. Ma jupe, c'est une marque mauricienne ici. Je sais plus, à chaque fois, j'hésite si c'est l'après-midi ou le rendez-vous. C'est la boutique en tout cas dans laquelle j'ai acheté, et après à l'intérieur, enfin des marques de vêtements ou quoi différentes. Et les chaussures, j'ai mis les mêmes qu'hier, et de toute façon pour le sac, pareil, je vais reprendre celui-ci. Je pense que ça ira très bien, j'ai rien d'autre à vous dire. Je sais pas si je mets mes lentilles, je pense pas que je vais en avoir besoin, mais non allez, je les mets pas. J'aime bien voir, mais en fait, à force de les enlever, de les mettre, de les enlever, de les mettre, ça fait mal aux yeux. Et en plus là, je me suis maquillée, donc ça voudrait dire que probablement, ça va partir en vrille. Allez. Une preuve, parce qu'actuellement du coup il pleuviote un petit peu. Le temps ici change tellement rapidement que j'aimerais bien savoir en combien de temps la pluie elle get out. Je suis pas sûr qu'elle va get out. Ah ouais. Alors du coup on est en train de boire un coup, j'en ai profité, moi je suis allée faire un petit bisou et j'avais trop envie de vous montrer parce que je sais pas pourquoi mais moi j'adore les toilettes dans les endroits, je trouve, on s'y sent hyper bien. Et pour moi, c'est hyper important que les toilettes soient un petit peu... je sais pas comment expliquer, mais qu'il y ait ce petit truc un peu confort où quand tu y vas, tu te sens bien. Donc voilà. Ici, par exemple, les toilettes, elles sont trop bien. Donc je voulais vous montrer. Vous voyez, en fait,
là et là, on a des serviettes tout simplement pour se sécher les mains. Ici, on a les lavabos avec des miroirs, les toilettes qui sont ici. Et ici, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais écoutez, ça a le mérite d'être là. Mais je trouve que juste en fait, l'ambiance est bien. T'as une petite odeur aussi. Je sais pas si c'est de l'eucalyptus ou quoi, mais on s'y sent trop bien. Et du coup, moi, j'aime bien. Vous me direz si vous aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent aimer faire ça. Mais j'aime bien faire une photo. J'aime bien faire des photos. Je trouve ça trop cool. Donc là, je vais faire mes quelques photos. Après, je vais aller les rejoindre. Je pense que dans à peu près 40 minutes, on va aller manger. Je sais que j'ai bu un petit coup, donc j'ai un petit peu la tête qui tourne. Mais ça va pour l'instant. Ça va. Et tout à l'heure, on va aller manger là-bas. Je crois. Je sais plus si c'est là ou si c'est là-bas. Je me souviens plus. Faire rendez-vous avec tout le monde ce soir. Une nouvelle étape ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? On mange du canard. Ah bon? Non, en fait c'est juste un jeu de mots parce que ça s'appelle le duck. Je savais même pas. Ok. Il wow, y a un travelling et tout. Sache que t'as. Super. Ça veut pas dévoiler notre amour au grand jour. Bah non, mais je suis un peu pudique. Non, mais aussi. Toi non. Mais toi non. Ça dépend sur quoi. Toi t'es pas pudique. Ça dépend. Attention à vous, monseigneur. Monseigneur. Non, ouais, ce soir on va déguster. Mais t'es un peu bourré, non? Non, c'est que. On dirait. Non? Il y a des cadavres embrochés. Ah oui? Ça fait pas trop. On dirait pas un truc à mal tourner. Mais c'est un film d'horreur là. Les gars, on va manger. Oui, c'est vrai, on dirait l'escape game. On va manger là. Allez, bah bon appétit, hein. Là, ils sont déjà passés 24 heures. Là, il va reposer pendant 48 heures. Ah d'accord. Ok. Et après, il les fait mariner. Mariner, prend un bain avec une vinaigre rouge. Et puis... Ok. Ok, super, merci. Oh non, mon cœur. C'est terrible. Ça me fait trop de la peine. C'est pour le saké à la soirée. C'est incroyable, mais c'est un peu... Je sais pas trop comment penser de ça quand même. Je trouve que ça match totalement le concept et l'ambiance. Ah oui, bah la DA, elle est validée, mais... Les copains, je vous montre un peu la carte. Il y a du choix. Maintenant, l'idée, ça va être de faire un choix. Vous savez très bien que nous, moi, j'ai du mal à faire des choix. Une pierre naturelle associée à l'harmonie de la chance. Vous avez assez peur pour prendre des mots. C'est une question, hein? Ah ouais! C'est dur, hein? Alors, ça me perturbe parce que du coup, l'apéro, j'ai essayé de creuser déjà dedans et en fait, je me suis rappelé qu'il fallait que je vous montre. Et ça me stresse parce que du coup, l'apéro, vous voyez, c'est un truc d'œuf à la coque et il y a un pied de duck, ce qui je trouve est un peu bizarre. Et dedans, du coup, je crois que c'est œuf, lait et truffe, je sais plus exactement. C'est de la crevette ? Regarde. C'est bon. Oh là là ! Allez. Plus bon. J'ai oublié de leur demander. Oui, c'est pas ce qu'il y a. De l'eau. Ah oui, je veux dire ça. C'est quoi? Vas-y. Ça sert à quoi là-bas? C'est pas fini ou c'est... Non mais vas-y, un petit bout. Ouais. Merci. Et toi, tu fais goûter? Ça ressemble à une pizza. C'est très bon. J'adore les baos. C'est dur, hein. Ah, ça c'est le pire truc. Oh. Là, t'as le goût de fou, là. Très bon. Avec un peu le choc. C'est quoi ton petite crêpe,
Parce que Monique, du coup, elle a pris un plat qui se fabrique. Donc, t'as une petite, une petite crêpe avec de la sauce, un peu de légumes, du canard. Et après, c'est à votre dégustation. Hein. Donc, pas de bol de bois dans la main. Tu peux repartir à l'eau, si tu veux. Il n'y a aucune délicatesse. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? What? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu as tout vu? Après, t'as un peu de là. Canard. Je sais, mais c'est plus drôle de dire canard. Ouais, mon petit, le bon mets. Un tacos maison, mais plus raffiné. Il a fait un manu. Ouais. Allez, bah, bon app. Ouais. Putain, le canard, il a l'air... Attendez, on a carrément changé d'ambiance parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait trop froid dans le resto là-bas à cause de la clim. Et du coup, on a demandé si on pouvait être décalé, donc on s'est décalé. Et là, on prend notre dessert et il fait bien meilleur. Et je vous dis à quel point, moi, j'avais le nez qui commençait à boucher et j'ai même demandé si je pouvais avoir un petit truc parce que... J'avais vraiment l'impression de frapper froid là. Trop bien. Allez, bon disierto. Sans transition, on se retrouve dans le dressing. Hier, on s'est couché tard. Ce matin, on s'est levé tard. Et du coup, c'était la course. Puisque le petit déjeuner, en fait, se termine là dans à peu près 40 minutes. Donc je me suis vite préparée, vite habillée, vite lavée. J'ai travaillé un petit peu ce matin. On va aller petit déjeuner. Je me demande si aujourd'hui, pour le petit déj, je ferai pas un peu différemment. Oh, mais vous êtes tout seul. Un peu différemment parce que hier, j'ai fait les œufs. D'habitude, c'est bien de manger healthy. Je me dis, est-ce que je me ferai pas un bol de céréales ce matin? Je sais pas. Donc, je sais pas. Je me dis peut-être viennoiserie, peut-être bol de céréales. Peut-être que je fais une folie à tout moment. Je me fais plaisir hier en plus. Putain, mais hier vraiment en rentrant, par contre, j'étais éclatée. Hein. Entre la fatigue et l'alcool, c'était vraiment. Les yeux, ils étaient. J'avais un strabisme. Regardez comme c'est calme. J'ai l'impression qu'il est 6h du matin. Mais c'est trop bien, par contre. J'ai que ce soit calme. On se marche pas dessus. Max, salut. Le croissant, ça va ma petite fleur? Alors aujourd'hui encore, on a le choix. Maintenant, l'idée, ça va être de faire une sélection. Et je pense honnêtement que je vais pas me prendre la tête. J'ai regardé le buffet, je me suis dit qu'est-ce qui me donne envie là. J'ai vu fromage, saumon, je me suis dit ok, bon, d'accord. Un peu de viennoiserie, d'accord. Un peu de jus, et bah allez, bon appétit. Et voilà, la quantité était parfaite. Ici, tous les angles de vue sont beaux. Chacun, regardez, je vais changer de point de vue. Et voilà, encore un truc magnifique. Et voilà, là je suis seule au monde, je suis trop bien. On fait une petite pause parce que du coup, dans moins d'une heure, on va aller faire du snork. Donc là, l'idée c'était surtout de se poser un peu. Je sais pas où est-ce que tout le monde est. Ah bah si, il y a Joe qui est juste là. Et sinon, ils sont posés dans l'herbe. Bah là, j'ai expliqué qu'on allait un peu. Faire du snork après, ça va? Ouais. C'est une carte postale ou un fond vert derrière, je sais pas. Un fond vert, je pense. Regardez ça. Oh là là! C'est beau! Sans transition, on se retrouve dans le lit. Je pense qu'on a quoi? 10 minutes? 10-15 minutes et on repart. On est allé récupérer les affaires du coup pour aller snorkeler. On va bien se protéger parce que hier, c'était pas suffisant. Moi, ça va encore. Je sais que je suis un peu rouge, mais ça me fait pas mal. Ça te fait mal, toi, ça va? Ça va, ouais, ça va. On va bien se protéger, bien réappliquer toutes les 2 heures, histoire de pas avoir de problème de peau. Aujourd'hui, je sais pas comment ça va se dérouler. Je sais juste que je me sens faible. Allez, c'est parti. Thank you.
nothing compared to this. When I'm with you, my love, we are all there is. When I'm with you, my love, nothing compares to this. Yeah. My love, we are all there is. When I'm with you, my love, nothing compared to this. When I'm with you, my love, we are all there is. When I'm with you, my love, nothing compares to this. Du coup, j'ai réussi à avoir celui-ci. Ça non. Cela, bah bien sûr. Cela, il y en avait plus. La sortie bateau, on est allé snorkeler un peu, c'était trop bien. On a vu plein de poissons, c'était trop bien. Je vous ai montré lesquels on avait vu. Et puis là, on va se poser un petit peu dans la piscine. Et l'objectif, je pense, ça va être de se poser un peu avant d'aller manger. Écoutez, hein, de toute façon, peut-être cet après-midi qu'on fera, ou peut-être pas, je ne sais pas. On verra bien. Ça va? Oui. Ah, j'ai mal les épaules. Ah, mêler un peu dans l'eau, ça va te faire du bien, non? Ça doit être brûlé là. Oh, il a placement. C'est rouge là. Oui. Genre, c'est un peu comme mon maillot de bain. Hardcore. À la recherche d'une carte sympa pour le repas. Les garçons nous ont vivement recommandé cet endroit-là. Après eux, ils ont testé hier un burger et aujourd'hui un autre burger. Du coup, on va essayer de voir ce qu'il y a à la carte. En fait, on a petit déjeuner tard. Du coup, on sait que voilà, il faut manger pour manger, mais on veut pas non plus se casser le bide. Donc on a fait, tu veux dire Non, je crois pas. Non, là, on est encore vraiment dans l'est là. Attends, je te montre. Waouh, ça fait du bien. Comme hier, j'ai bu un coup. Aujourd'hui, je n'arrive pas à me cadrer. Il y a des jours comme ça où je pense qu'il faut un peu se déculpabiliser parce qu'on a tendance au contraire à avoir du mal à lâcher prise. Et moi, c'est un truc que j'ai un peu du mal à mettre en place aujourd'hui. Je suis toujours très au contrôle de ce que je mange. En tout cas, j'ai envie d'être au contrôle de ce que je mange, ce qui fait que quand après, j'ai pas le contrôle, ça part en couille. Et là, c'est compliqué. Ah, j'avais pas vu, mais le verre, c'est un... Titi-taki, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Du coup, je vais essayer d'être modérée, mais sans me prendre la tête. Mais le revers de la médaille, c'est que comme hier soir j'ai bu, aujourd'hui je n'ai plus aucune discipline. Je dirais que c'est une excuse. Je pense que toute personne boit la veille et le lendemain a envie de se taper un McDo comprendra ce que je veux dire. Il faut se dire aussi que c'est pas une journée sur 3 semaines qui vont tout gâcher non plus. Et il faut se déculpabiliser, ça c'est un travail qui est difficile, mais il faut essayer de se déculpabiliser au maximum. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ce qu'on va manger. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est que je me demande si cet après-midi, je vais voir. Mais je ferai bien genre un petit bain, voilà. Un petit bain, piscine, dormir sur le transat. J'adore le coca. Regardez ça. Oh, ça a l'air trop bon. Et là, regardez. Bon appétit. I don't know what I should start to say. I must have told you that I feel this way. Tu sais, j'ai failli me casser le cou. Je suis passée vraiment en mode actrice, quoi. Genre, oh, cascade. Et là, c'était vraiment, en fait, on peut passer entre les plantes, quoi. Alors, laquelle? Oh, la pistache, elle est belle. Aïe. Bon, ça n'a aucun sens ce que j'ai mis à l'intérieur. J'avais juste envie de goûter un peu 2-3 trucs. Vraiment aucun sens. D'accord.
Bon dessert. Ceux qui ont la ref là-bas, quand c'était le Koh-Lanta RP, il y avait une espèce de planche où justement les concurrents ils devaient aller. Et ça me fait trop penser à ça. Et nous, l'objectif là, c'est de récupérer l'attention des messieurs là-bas pour leur dire on veut faire du parachute. It is what it is. I believe in your soul. I know our love is strong. We're still riding down this road. Ooh, my love, I can feel you in my bones. This is real, I hear your voice too close. Oh, this feeling grows. While I'm filling up this void, far away, far beyond the limits. Every day, finding our soul. Anyway, it feels like coming home. Coming home. Vous faites quoi les curieux là? Les contes curieux. Eh mais c'est sympa ici. Bon, cette fois-ci, du coup, ce sera petite cabane et surtout une petite boisson. Ah, mais on est des bolos, nous. On aurait pu couper par là. If no one could hear, you can serve yourself. Oh, okay. Okay. Thank you. Thank you. T'as vu, ils sont maintenus au chaud avec une bouche. Et celui-là, c'est Reduce Risk of Heart Disease. C'est White Monkey Tea. Et ça, c'est quoi? Tu peux me passer un shot? White Monkey Tea. C'est une incantation, ça. Que ça me donne trop envie d'acheter les trucs comme ça, là. Je trouve ça trop, trop beau, tu sais. Ouais. Mais je bois jamais de thé, alors... Moi, j'aime bien. Alors, il y a quoi comme... Je sais pas, il y a Ginger Black. Et l'autre c'est quoi? Et l'autre c'est White Tea. White Monkey Tea. Vas-y, je vais tester les deux. Merci. C'est Marrakech Tea là. C'est Marrakech. Oui. Ah ouais? Non, c'est surtout vous. Comment ça réduit la température idéale? Oui, par contre. Donc deux thés. C'est deux thés par jour. Ah, deux thés par jour? Ouais. Deux différents. Ah, il est bon, le Ginger Black. Je pense que t'aurais dû goûter celui-là d'abord. Non. Encore un soir où on va bien manger. Allez, à la découverte du buffet, messieurs, dames, regardez. Oh là là. Ici, on a des pâtes, bonjour. Ici, on va retrouver plutôt... Ah, d'accord, donc nouilles, des noodles. Trop bien, poisson. Non mais là ça va être vraiment dur encore une fois de faire des choix. Hein. Oh, carpaccio. Ah mais attendez, salade de courge, ananas concombre, ici aussi, salade de calamar, fruits. Oh là là. Je pense que le mieux c'est de juste prendre un petit peu, parce que comme je me connais, je sais que je vais avoir bonjour. Je vais avoir envie de tout goûter, donc un petit peu de tout, histoire de... le temps de pouvoir tout goûter. Et là, ça va être plutôt dessert. Bonsoir. Ok. Ah, à l'intérieur, il y a des petites salades, des trucs, ça a l'air trop bon. Comme d'hab, je vais faire une petite sélection et après, je vous montre. Bonsoir. C'est gentil, merci beaucoup. Du coup, je me dis que le mieux, c'est de faire un petit peu de tout. Donc là, on a une salade de calmar. Ici, c'est poulet tandoori. Là, c'est de l'agneau. Une petite part de pizza margarita, je crois que c'est. Et un petit bout de pain au cas où. Merci. Un peu d'Inde. Poulet. Je me souviens plus. Poulet. Je ne sais plus. Butter chicken, peut-être. Là, on a de l'agneau. Ici. C'est du hachard de mangue, un âne à douber et un peu de riz. Un peu d'Italie maintenant. Ça te tente? Le bœuf petit pois. Oui.
Si. Oui. Très bon. Là, il y a petit assortiment de petits beignets, je sais pas exactement. Oh. Ça a l'air pas mal, hein. Non, 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 il faut juste un peu de jus. Celui-là, je sais pas à quoi c'est. Oh. Non, c'est du melon. C'est très chaud. Ah, si, il est trop chaud. Ouais. Légumes. La bille est du manguier là-bas. Oh. Moi, avec ta salle d'œuf là-bas. Il me dit, oh mec, j'ai trouvé une dinguerie. Il me montre la tranche de salle de fée, cette montée, elle est comme ça. C'est comme ça, pareil. Ah, ça manque de cul là. Il me dit, c'est une dinguerie. Il me fait goûter, il y a du concombre dedans. Oh putain. Il déteste le concombre. Ah, en vrai, oui. Vraiment, il déteste. En vrai, oui, sans le concombre, ça. Alors, il n'y a que des légumes dedans. C'est bon, mais la texture, je pense que je peux vomir. Non, en vrai, ça c'est pas très clair. Ah, si. Moi, je trouve que non, si, quand même. Ça fait mieux. Mange le poulet croustillant là, ça va. Ouais, ouais, oh putain. Ouais. Très chaud, ouais. Mange une autre texture. Ah, la texture, j'ai horreur de ça là quand c'est un peu. Oh putain. Moi, je t'entends dire, on s'arrête d'en parler, c'est beau. Ah, ouais, non. Le truc d'hier, c'était encore pire, apparemment. Ouais, moi, je voulais pas en parler. Quel truc d'hier ? Et dumplings, vous en avez mangé aussi ? Le truc d'Anaïs. Et que j'en ai goûté avec Alex. Ah, c'est pas comme ça. C'est dur, hein ? Ah ! Ça, c'est le pire truc. Oh, ça se prend à maintenant. Là, t'as le goût de fou, là. Ça, ça va. C'est rifine. Je vais te dire ça si c'est. Non, mais ça me fait peur. Non, mais c'est vrai que je le dis hier. Ça, c'est comme ça la texture. C'est celui-là. Que j'ai du mal. Ah, ça me dégoûte. Non, mais pourtant, regarde celui-là, il est bien. Dans la cuisine, en fait. Par contre, lui, regarde, je pense qu'il est pas assez cuit. Moi, je pense que c'est la pâte qui est différente. Ouais, moi, je pense que ça se mange comme ça. Hein. Ouais. J'ai du mal à ça. Ah bah là je suis bien et c'est le moment du dessert. Désolé. Pour ouais, pour tout le meuf. Terrible. Double chocolat, quelque chose sans gluten, je ne sais pas ce que c'est. Et là il y a un petit cookie. Pour l'instant je fais la maline mais pour du ventre elle est bien tendue. Alors à tout moment je finis pas. Ça, je t'aime le bouffer. Il manquait plus rien. Oh, c'est un caillou. C'est un caillou. Est-ce que tu veux goûter le truc sans gluten? Vas-y. Toi, ça fait quoi, une semaine sans gluten? Ouais. Oh, pardon. Ça va, hein? Ouais, c'est ok, là. Un peu en fait, moi je m'attendais à un truc du cul tu vois en fait, au général ça manque non, bon, de j'ai réussi à faire une gâteau sans gluten ouais. Bon. D'habitude c'est pas bon c'est... il n'est pas croyant mais il est pas bon, il est pas bon quoi. Bien mangé, comment tu te sens là sur 10? 10 c'est vraiment pas bien. Là je suis bien. 10 c'est vraiment que j'ai trop mangé genre. Ah bon? Ouais et 0 ça il y a rien. 5. 5. Ah oui, ce soir, pas de folie. On est rentré, il est à peu près 22h. On va pouvoir se poser, dormir et, si Dieu le veut, faire une grasse mat ou pas. Bon, je pense que j'arriverai pas à en faire une, mais l'idée c'est de pouvoir bien se reposer avant d'attaquer la semaine. Là, demain, on rentre. Je sais pas encore comment on va être organisé la matinée. Moi, je serais bien allée vite fait, en fait, faire le petit-déj, me baigner un peu, me laver et après partir, mais ça va dépendre de l'heure à laquelle je me lève. Écoutez, je me mets pas trop la pression. Je sais qu'il faut rendre la chambre à 11h, on verra bien. C'est le premier soir que j'arrive à vous parler, parce que du coup, comme on rentre tôt, bah forcément, plus simple. Quand on rentrait tard, purée, je m'endormais direct, je pensais plus à rien. Allez les copains, on se dit du coup, à demain.
Je demande juste pour que vous vous sachiez, parce que je lui ai demandé déjà ce matin. Pour savoir si on va petit déjeuner ou quoi maintenant, parce que sinon je vais juste rassembler 2-3 minutes mes affaires. Donc, je me disais rassembler un petit peu les affaires. Après, je pense que je vais aller tout simplement profiter et je rentrerai le plus tard possible dans ce logement, histoire de vraiment profiter quoi. Oh là là, je perds mon t-shirt. On sait que vous savez. Ce matin, j'hésite. Je pense que je ferai pas de salé. Je vais faire plus de sucré. J'ai très envie de viennoiserie. Peut-être de céréales aussi. Je sais pas. Je me laisse vivre. Je me laisse vivre. Allez, venez. On va se reprendre des assiettes de petit-déj. Regardez son assiette comme elle a l'air bien. Et l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Bah alors là, ça sera la mienne d'herbe. En vrai, c'est ça mon problème, c'est que comme tout me fait envie, j'essaie de faire une sélection et ça me convient pas. Du coup, après, je vais prendre autre chose. Purée, je vais lui demander. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'avoir un œuf au plat, s'il vous plaît ? Merci. Bah franchement là, vraiment si je profite pas, je sais pas ce que je fais. Bon maintenant faut finir quoi. J'aimerais avoir quelqu'un qui me fasse le petit déj tous les matins. Tu peux hein. Comment déjà? Elle vient, elle fait le petit déj, un peu le ménage et puis après si tu te lèves à 6h, faut qu'elle vienne à 4h. Par vous Bichette. Moi, ce qui me rend ouf, c'est vraiment ce truc de notre vie. C'est que là, dans 30 minutes, t'es à la maison. Une heure quand même, mais ouais. Ah non, mais vous, vous êtes à côté. Ben... Nous, on a encore une heure de route. Mais je sais pas si c'est pas moins, parce que nous, ça fait 30 minutes, et vous, vous êtes à 15 minutes. 15-20 minutes de vous, ouais. Moi, c'est ça qui me... Je me dis vraiment, en fait, c'est la vraie vie, quoi. Faut monter comme ça. D'accord. Et que, on quitte ce décor, mais pour aller dans un autre décor qui est similaire. Alors, qu'est-ce que tu nous fais pour la prochaine ? Je sais pas si je peux prendre du salé. J'allais prendre des fruits et des croissants. Des croissants ? Ouais, avec la papaye, là, elle est trop, trop bonne. Oh, ben, régale-toi, hein. La dry tomato. Dried papaya. Je vais aller me mettre en maillot de bain et je vais aller me mettre un petit peu sur les transats et surtout dans la piscine, histoire de pouvoir profiter un petit peu et me reposer avant qu'on y aille. Là il est même pas 9h30, donc on a le temps. Et puis à 11h, l'idée ça serait de rendre la chambre, donc comme ça je pourrais aller me laver un peu avant. Allez. J'aimerais bien savoir si vous aussi vous êtes superstitieux. À chaque fois quand je suis toute seule, après je réfléchis à 1000 trucs. Et du coup, bah là je me suis dit que j'allais vous partager. Mais est-ce que vous aussi vous êtes superstitieux? Par exemple,
quand il y a un truc qui est un peu différent, là je dis n'importe quoi, il y avait une arche avec des plantes par-dessus. Et je me disais, peut-être que le fait de passer par ici m'apportera de la réussite, je dis n'importe quoi. Et du coup, en fait, je vais faire un espèce d'effet papillon en passant par là, donc je le fais évidemment. Je sais pas si c'est fou ou si d'autres personnes font comme ça aussi, mais je vous avoue que moi, par moments, je suis un peu superstitieuse. Du coup, quand je vois les trucs comme ça, je me dis, peut-être juste une grande malade en fait. Je prépare mon maillot de bain et je saute dans l'eau. Maintenant, je vais finir de faire ma valise. Il y a des chaussons, les pantoufles. Est-ce que je les prendrai pas? Je pense qu'ils les jettent en plus après. Mais bref, je me dépêche. Mais c'est la dernière fois que je suis en mode détente. Même si, en fait, il y a un petit truc là-dedans qui est un peu différent de, d'habitude quand on part en vacances, on part en voyage ou quoi. Parce qu'en fait, comme on habite littéralement à côté et que nous, on vient d'emménager en plus avec Joe, j'ai vraiment l'impression d'être encore dans un Airbnb, même si, je le disais dans mes précédentes vidéos, ça, je commence tout juste à prendre un petit peu mes marques, donc ça va. Mais on vient d'emménager, donc pour moi, on est aussi un peu à l'hôtel avec Joe à la maison. Du coup, je suis pas triste de partir. Par contre, je suis remontée à bloc, dans le bon sens du terme, parce que j'ai envie de développer encore plus vite mes projets pour pouvoir, pour qu'on puisse se permettre en fait de faire des trucs comme ça plus souvent. Genre là, c'est goal, vraiment goal. Et j'adorerais aussi mon rêve de pouvoir faire vivre ce genre d'expérience à mes proches. Oh, putain, j'ai trop hâte de pouvoir leur montrer tout ça. Ça va être une dinguerie. Oh là là. Je sais pas quelle heure il est, mais ça me stresse. Oh, les pantoufles. En vrai, allez, je les prends. Comme ça, ça me fera des pantoufles à la maison. J'ai jamais eu l'occasion d'en acheter. Baby. Oui. T'es nue? Oui. T'as dit quoi? Oui. Ah merde, ok. Ok, dis-toi. Salut l'équipe, comment ça va? Allez, au revoir la salle de bain. Au revoir le mini bar. Au revoir le dressing. Au revoir Baby. Au revoir le lit. Bon bah c'est bon. Hé, hey, arrête de faire le zouave. You're young and fragile. Oh là, je reconnais ça. Oula. Je reconnais, t'es un Sims, toi. Qu'est-ce qu'il y a, Benny Blanco? Toi, t'es plutôt Joe Blanco. Maintenant, non, t'es Joe Red. Ouais, mais je suis Joe. Alors, t'en as pensé quoi de ton week-end? C'est cool. Voilà. Oula. Like a bird in the sky, and I'm old like gravel. I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could. So you let your guard down. You're like a glass of wine that's clouding up my mind.